6500 établissements, parce qu'il n'y a pas que les entreprises. On a aussi les médecins. Quand tu cherches un dentiste, tu vas dans la merde, tu trouves dentiste. On a les horaires d'ouverture. Alors pas tout le monde, parce que les 6500 n'ont pas fait l'effort, tous, mettre à jour. Mais tu vas dans la merde, tu trouves le médecin, et là tu vois qu'il est ouvert ou qu'il est fermé, ou un commerçant. Tu vas aller, et pareil pour les collectivités locales, donc il y a les mairies, les différentes mairies du coin. Et l'AGLO, il y a la CAF, il y a enfin, tous les établissements en fait qui intéressent le public. Donc pas seulement les entreprises, mais effectivement les entreprises aussi. Et par contre, vous pouvez sur CITIC rechercher un emploi. Quand on dit je recherche une imprimante, parce que c'est le cas, c'est juste je recherche quoi? Je recherche un emploi. Donc je peux dire quel emploi je recherche et vous avez éventuellement des gens qui peuvent vous mettre en contact avec quelqu'un qui a un poste qui peut vous intéresser. Alors c'est pas facile, hein, on sait que rechercher un emploi, c'est pas magique non plus. Mais c'est un support en plus et c'est un support qui est. Qui a été téléchargé par des gens de l'agglomération, donc du coin, et par des gens qui sont qui se sentent plutôt solidaires. La formation circule plutôt bien. Voilà un peu le profil.